بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, toujours dans le cadre des citations, inspiration, motivation, alors je vais aborder avec vous la deuxième citation. Et c'est une citation qui va vous inspirer et qui va vous rebooster et qui va vous motiver. Alors, c'est quoi cette citation? C'est la confiance en soi. Avoir confiance en soi. Alors, la confiance en soi est le premier secret du succès. C'est-à-dire, la confiance, être confiant en soi, permet à la personne de réaliser ses objectifs, de réaliser ses attentes, de réaliser ses fins. Et c'est le secret de quoi? De la réussite. Le secret du succès. Alors, explication. Sans la confiance en soi, on ne peut pas atteindre nos buts. C'est le secret de la réussite. La confiance en soi, c'est se connaître et croire en soi, en son potentiel et en ses capacités. Alors, alors, la confiance en soi, tika fi nnefs, hiya sir an-najah. Yani bla tika fi nnefs, ma nqdrouch nhaqqou l'ahdaf diyalna, ma nqdrouch, w tika fi nnefs hiya sir diyal an-najah. Ou la confiance en soi, chna hiya? Hiya c'est se connaître, hiya ta'raf l'mouahilat diyalek, ta'raf l'qdourat diyalek, ta'raf l'potentiel diyalek. Et en six capacités. Ou tiens, fais des coudoirs diolux, ou fais des tâches diolux, ou fais des imkeries diolux, bêche ou qu'est-ce que diolux pour voilà, une chef ailleurs dans domaine. Il est même caché tiens qu'à faire nous voilà donc manque de confiance en soi, donc c'est une faiblesse, c'est un obstacle pour voilà réaliser ses études, pour par exemple alors, faire une bonne carrière concernant une profession, un métier, etc. Alors, je récapitule la deuxième citation. C'est une citation vraiment qui motive. Alors, la confiance en soi est le premier secret du succès. Sans la confiance en soi, on ne peut pas atteindre nos buts. C'est le secret de la réussite. La confiance en soi, c'est se connaître et croire en soi, en son potentiel et en ses capacités. Mais attention, attention, attention d'avoir un excès de confiance en soi. Attention, avoir un excès de confiance en soi, cela fausse le jugement et la décision de la personne. Alors, lorsqu'on surestime ses capacités, lorsqu'on surestime, voilà, donc son potentiel, ça c'est un défaut, c'est pas un atout, ça c'est un défaut, parce qu'on devient arrogant, orgueilleux, voilà, d'accord, voire même, voilà, narcissique, si on a un excès de confiance en soi. Alors, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine citation, Inch'Allah.